Yay! It looks Yay. like Yeah. you're alive. And so cool. This is the first time I'm doing this with this Zoom thingy-lingy, and it's really cool. So this looks like it's working. And Yes, yeah. yes, cool. So welcome everybody to. Cool. C'est la première fois que Susanna fait cette manipulation en direct avec Zoom. Et bienvenue à tous. Et moi, c'est la première fois que je traduis en direct aussi. Mais it's Yay. the first time I translate you in the direct too. It's the first time evening. C'est la soirée de la première fois. We're here to inspire you, and we are Susanna Mittermeier, Sophie, and Marie-Sandrine, and we are here to inspire you what else is possible with pragmatic creation and business. Nous sommes toutes les trois ce soir, donc Susanna Mittermeier, Sophie et Marie-Sandrine, pour voir qu'est-ce qu'il est possible avec la psychologie pragmatique et le business et la création. So I'm in a very pragmatic place right now. I just arrived at the castle in Italy. C'est vraiment très pragmatique, elle est en ce moment présente au château en Italie. It's so absolutely beautiful here and nurturing for the body. C'est vraiment magnifique et très nourrissant pour le corps. Yeah, oh my God. I'm like just the ceiling. This is the suite that was just the restored. Vous voyez comme c'est restauré. So, like, this is a such a beautiful space. Hi, Jürgen. Hi. So this is where we get to stay for these days. It's so C'est où elle est restée pour quelques jours et c'est si beau, joli. So and how, like, what does this have to do with, you know, being pragmatic? Qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que pour être vraiment pragmatique? And I have a question for you. How to use pragmatic psychology tools in business and creation? Comment on peut utiliser les outils de psychologie pragmatique dans le business et la création? So, pragmatic means doing what works. Pragmatique, ça veut dire faire ce qui fonctionne pour nous. So, for example, being in a place like this that nurtures your body and is elegant, that contributes to things working. Par exemple, être dans un lieu comme ceci qui est si nourrissant pour le corps, contribue à tout ça. So I used to try to be very, very efficient. C'est essayer d'être très, très efficient. So I used to have the point of view that it doesn't matter where I sit and which room, at least I get things done. C'est pas se dire que y a, ça n'a pas d'importance d'être à tel ou tel endroit, quoi, et de s'asseoir dans tel ou tel fauteuil. And so I realized, oh wow, that's an interesting point of view that it doesn't matter where my body is while I'm working. Elle a été coupée. You are cutting the transmission. Oh, I'm cutting. Is it Yeah. working For now? me. Ah, For okay. you too, Marie-Sandrine? Yes. Okay. Okay, what else is possible? C'est beau. I'm just Ah ben, closing down c'est some windows. any better than that. Comment ça devient encore mieux que ça? So I realized it's just an interesting point of view where my body is sitting while I'm working. Elle réalise que c'est un point de vue intéressant de savoir où est son où elle est assise pour travailler. So how many of you who have your own business are trying to be efficient rather than creating what works? Oh, can you repeat, please? So how many of you have your own business? Combien d'entre vous avez un business? Are trying to be efficient Vous essayez d'être efficient rather than doing and creating what works? au lieu de d'accord, au lieu de faire vraiment ce qui fonctionne pour vous, quoi. So if you include your body in your creations,
si vous incluez votre corps dans vos créations, you like your body gets to contribute to what you create with your business. Votre corps va contribuer à ce que vous allez créer dans votre business. And you can do this by just like checking where are you sitting? Is this actually yummy for your body? Et juste checker, voir, en fait, essayer de voir où vous êtes assis et ce que ça crée pour votre corps. Maybe you want to check what kind of glass you're drinking out of, you know, or what kind of cup you're drinking your coffee from. Voir, en fait, dans quel verre vous utilisez pour boire un café ou autre. And you know, if you don't dismiss those, you know, those details, but include them, what would that create for you in your business? C'est pas mettre de l'importance dans ces détails, mais l'inclure dans votre business. Yeah. Si je me trompe, Marie-Sandrine. Yes, no problem. You are perfect. Tu es parfaite, Sophie. So I realized what a big difference it made in my business when I was aware. Quelle est la plus grande différence? You are cutting again. Okay, so I realized what a big difference it made when I was aware of those details and included them. Elle réalise cette grande différence qu'il y a quand elle inclut tout ça, tous ces détails dans sa création, dans ses créations. So I'm just gonna. Can you just? Make the Wi-Fi work better. C'est la phrase que j'aurais la mieux traduite. It works. So and you know, like doing what works is where you always include the future and your awareness of the future. The beginning of your... Faire ce qui marche. Faire ce qui marche pour vous et vraiment créer pour le futur. So it's like rather than getting it, trying to get it right, you look at the future, what is going to work. Et voir en fait ce qui le futur et qu'est-ce qui va fonctionner pour le futur. And rather than getting it right, you know. Au lieu de regarder ce qui est juste par rapport à ça. Peu importe ce qui est juste. And so you know when you make choices for your business, ask yourself, am I trying to get it right? Et quand c'est vraiment demander, est-ce que c'est vraiment juste pour le business? Demander est-ce que c'est vraiment juste? Or am I asking what is truly creating the future? Ou est-ce que ça va vraiment créer pour le futur? It's like if you, for example, set up a class you would like to facilitate somewhere. Et quand on crée une classe pour faciliter quelque part. And you look at, oh, is this the right place to do it? Is this the right time to do it? Et te demander est-ce que c'est le bon endroit ou la bonne date pour créer cette classe? It sounds like a question. C'est vraiment une question. But it's actually where you try to find the right thing to do. You try to get it right. Mais vraiment, en fait, voir ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui est vraiment être pragmatique. And is this to be really pragmatic on your creation? So if you want to be pragmatic. Donc si tu veux être pragmatique. Then you gotta ask a real question. Tu as à poser réellement la question. If you say, oh, is this the right location to do the class? Is this the right time? That's not really a question. Si tu te dis, c'est le bon endroit ou la bonne date pour cette classe, c'est pas vraiment une question. It's like, if I do the class at that time, truth, what will that create? What future will that create? C'est si je crée cette classe à telle date,
qu'est-ce que ça va créer réellement et dans le futur? Or you can just ask, what will be created by that? Et poser la question juste, qu'est-ce que ça va créer avec ça? So one of the elements of being pragmatic, un des éléments pour être pragmatique, is where you get out of self-interest. C'est quand tu vas au-delà de l'intérêt personnel. Merci. So you know, when you're being self-interested, you always look at very little picture. Quand tu es vraiment dans l'intérêt personnel, tu es dans une petite image. How will this work for me and how do I get it right? C'est qu'est-ce qui va être juste et on être se diminuer. Yeah. And it's like, is this really your reality or are you living someone else's reality in that case? Est-ce que c'est vraiment ta réalité ou est-ce que c'est la réalité de quelqu'un d'autre à ce moment-là? So everything that is, will you destroy and uncreate it, please? Et tout ça, est-ce qu'on est OK pour détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. So it's like if you go and expand the picture, expand your world. Et si tu vas plutôt expanser l'image, expanser ton monde. And go, okay, so will this work, you know? Or et what dire, will this OK, qu'est-ce qui va fonctionner? And what will that create? Et qu'est-ce qu'on va créer? You, with that question, include the whole world in everything you create. Là, tu vas vraiment inclure tout le monde et toute la création, les créations. And it's like you, like the whole world can contribute to your creation. Et tout va contribuer à tes créations. And how much more fun and exciting is that? Et comment ça peut être plus fun et plus excitant tout ça? Yeah. So everywhere you have learned to function from self-interest. Donc partout tu as appris à fonctionner à partir de l'intérêt personnel. Rather than inviting the world to create with you. Au lieu d'inviter le monde à créer avec toi. Will you destroy and uncreate all that, please? Est-ce qu'on va bien tout détruire et décorer, s'il vous plaît? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. And it's like if you, like before we talked about the need to be efficient and getting things done. Chaque fois que l'on doit, qu'on a besoin d'être efficient comme ça. So like, is this creating from a big world or is this creating from a small world? Est-ce que ça crée un grand monde ou un petit me, little one? Yes. Pour moi, quelque chose de réduit. And that's like the dramatic aspect where you always look at what have I not done yet, what's not there yet. Yeah. Et c'est ça le côté dramatique. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Qu'est-ce qui est pas encore là? And so if you expand your world and have a bigger perspective. Si tu spectres le monde et si tu as des grandes perspectives, it's not about getting things done and, you know, check, check, check. C'est pas de noter tout ce que tu as à faire. But it's about the question of, okay, what is it time for now? Mais c'est juste demander qu'est-ce qui est à faire maintenant. And then, you know, something pops up. Oh, you know, this project needs attention. Et c'est parfois quelque chose qui surgit, qui dit ce projet a besoin maintenant d'attention. And then you ask again, okay, what is it time for now? Ça a coupé. Quel moment? Ouais, ça a coupé. Yeah. C'est de se dire, certains projets, c'est le moment maintenant. Ouais. And then you know, you do these different things and suddenly everything just comes together greater than you could imagine. Et voir ce qui surgit et qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Yeah. And this is where you
engage with the whole world to create with you. Et quand tu engages tout l'univers, tout le monde, quoi, à créer avec toi. I used to be so stressed when I suddenly had more things to do than I thought I could handle. Je suis tellement stressée quand je vois tout ce que j'ai à faire. And I tried to control everything. And I tried to control everything. Et elle essaie de tout contrôler. You are the only one. Yes. La seule. And I'm still really, really, only Susanna. Juste Susanna. Personne ne contrôle. You can ask you. But it's like if you control from I have to control the need of it. Si tu contrôles en disant j'ai à contrôler par rapport aux besoins, keep your world and your business really tiny. Tu transformes en fait ton monde et ton business très petit, très petit. But if you don't try to get things done all the time, you know, efficiently. Si tu n'essaies pas de tout faire à la suite comme ça, en notant. But you, like, you start by, okay, let's relax. How much space can I occupy? Ah, et si tu commences plutôt à dire, okay, cool, quel espace je peux occuper là? What is it time for now? Qu'est-ce qu'il est temps maintenant? Qu'est-ce qui est requis maintenant? And then you trust that you know which one is what it's time for now. You trust that you know. Et vraiment avoir confiance que tu sais, avoir la foi que tu sais ce qui est requis maintenant. Because you know every moment what is required. Parce que tu sais à chaque moment ce qui est requis là. And everything you haven't acknowledged about that will you destroy and create it. Yes. Et partout tu n'as pas reconnu ça, parce que tu vas tout détruire et décréer. Yes. I'm wrong in my heart. Fuck all night. Ways and beyond. Let's build the trust. I have so more space with this now. Yeah. And this is amazing. Like, we could have in this reality some definition about pragmatic, in fact. Donc, c'est amusant comment on peut avoir des définitions de qu'est-ce qui est le pragmatique dans cette réalité, en fait. And what you describe, Susanna, and what you invite for, donc ce que tu décides, ce que tu décris, Susanna, ce que tu invites à, it's really to be present at what is required and what will create the most, in fact. C'est vraiment d'être dans ce qui est requis et qu'est-ce qui va créer le plus, en fait. Yeah, yeah. It is very different because pragmatic has sometimes this touch of being practical. Être pragmatique, c'est parfois être pratique. But it's really just like making your whole world, making your life work like a big orchestra, like a big symphony. Ah, c'est faire de ta vie et de ton monde en fait comme une grande symphonie. Yeah. But by that, you have to let the world in and you have to let yourself be part of the world. Et là, en fait, tu as à être, être une part de ce monde. Parce que c'est être une part de ce monde. Because, like, business for me is basically just the expression of what you know. Le business, pour moi, c'est vraiment la pression de ce que tu sais. It's like, you know, what is it that you know uniquely that you would like to invite the world to? C'est vraiment, comment dire ça? Qu'est-ce que tu sais de façon unique? Et comment tu peux inviter le monde à ça? Ah.
Yes. And then also, you know, and then you can get money from that also. Et tu peux recevoir de l'argent avec ça aussi. I mean, would you like give yourself the permission to have that phenomenon in your life? Et tu peux accueillir tout ça et recevoir ce phénoménon dans ta vie. You know, like you have the luxury of expressing what you know and creating money with that. Tu peux avoir le luxe d'exprimer ce que tu ressens et créer de l'argent avec ça. You know, and then you can look at, okay, what is it I actually, like have clarity, what is it I actually like to create with my business? Et qu'est-ce qu'avoir plus de clarté avec qu'est-ce que je peux créer avec mon business? Mm-hmm. It's like, is it for me to get by and make money to be able to, you know, live? C'est vraiment avoir de l'argent pour vivre? Or is it that plus? Ou est-ce que c'est ça en plus? Maybe, you know, inspire people to, you know how great they are? Ou inspirer les gens de la grandeur qu'ils sont? Or maybe it is bringing elegance and beauty to the world? Ou peut-être c'est être cette élégance, porter cette élégance dans le monde. You know, it's like, start to get some clarities. What is it? Why am I creating a business? C'est ressentir cette clarté de qu'est-ce qu'est mon business. Because then it becomes easier. Comment j'ai envie de créer mon business? Because then it becomes easier for you to know which choices truly will create greater. Parce que c'est... Ah, c'est vraiment d'aller regarder le choix qui va créer plus grand. Plus grand. And it's like that clarity of what is it that, you know, what is it in my world that makes me want to create a business? If you have clarity with that. Et c'est vraiment voir en fait quel est le ce que j'ai perdu les pédales. Quel est cette pitié? Yes. Yo. So if you have clarity with what makes me want to create a business, c'est avoir de la clarté avec qu'est-ce qui va créer mon business et plus quoi. That will be your navigation system to create the future that works for you. Ça, c'est votre système de navigation pour voir ce qui va créer plus pour vous. Mm. So it's like, it's not our thinking that guides us and tells us what to do. C'est pas dans la pensée, dans le mental que l'on sait ce qu'on va faire. It's your knowing that is your GPS to create a future that works for you. C'est dans notre savoir que l'on crée le GPS de ce qui fonctionne pour nous. Mm. And to know is... Et de savoir... Like this. It's comme easy ça, to ce qui... like this. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Thanks so much because it's opening a lot of space for me. Yes, ça ouvre un grand espace pour moi. Je disais merci à Susanna. Ça ouvre un grand espace pour moi au niveau de la création. Yes, and when you speak, also we can perceive joy of creation too. Et aussi quand tu parles, on peut sentir la joie de la création aussi. Yeah, it's exciting. It's so exciting when you don't have to get things right. Yeah, sure. Thanks for this. C'est tellement excitant quand tu ne dois pas faire les choses pour les bien les faire, en fait. Les bien les faire. Et je disais oui, parce que, en fait, je suis à la fois ce soir excitée et joyeuse, et c'est tellement, mon anglais est tellement pas parfait que c'est juste magique, et c'est tellement parfait de ne pas être parfait, et j'ai du fun ce soir avec ça, quoi. Did you just say that you're excited because you don't have to get it right, you don't have to get the translation perfect? Yeah. Yeah. Cool. It's really cool for me. I'm starting to understand French. Hey. So I remember when I was
a child, I would love to play like, I think it's called shopkeeper, you know, like like a little Can't shop selling different products. I don't know this. Quand elle se souvient quand elle était enfant qu'il y avait un, je sais pas ce que c'est, un jeu où elle devait en fait vendre différentes choses. Elle a donné le nom à un jeu où elle devait vendre différentes choses. Yeah, and I was so excited, you know, it was just this playful, oh, I have this product and it does this, would you like to buy it, you know, it was just a Elle était si excitée de se dire, oh, j'ai ce projet, comment je vais pouvoir acheter ça? You know, and it was not about getting it right or anything. Et ce n'était pas pour dire, ok, je le fais juste ou je le fais bien. Yeah, that cuts. Ça a coupé. Ok. Yeah, good. Ok. And it was just the pure joy to engage with people. C'est vraiment la joie pure d'être engagé avec les gens. Because if you have a business, you like it's really required to have ease with selling. Si vous avez un business, c'est être c'est vraiment bien d'avoir l'aisance avec le fait de vendre en fait. So if you just go to the, oh my God, it's so much fun to have this product and I can show the people how amazing this is and how this can contribute to their lives. Et c'est vraiment avoir de l'aisance à se dire, ouais, si j'ai ça, je vais pouvoir le vendre aux gens et ça va être mieux pour leur vie. And if they buy it, great. If they don't buy it, it doesn't matter. Et s'ils l'achètent, c'est génial. Et s'ils l'achètent pas, c'est pas grave. You know, that's how you could play with your business. Et c'est vraiment comment jouer avec le business. And that's another element of being pragmatic, the playfulness. Et c'est un des éléments pour être pragmatique avec ça. Because if you're playful, things just work. Mais si tu ne joues pas, ça marche pas. If you play, they work. Si if tu you joues, yeah. If you're playful, things start to work. Et si tu joues, ça commence à marcher. Yeah. And it's like because you don't worry about the outcome, you don't worry about the result when you're playful. Tu n'es pas quand tu joues vraiment, tu n'es pas dans t'es pas inquiet si ça va marcher ou pas, ou tu n'es pas inquiet des résultats. Yeah. You don't worry about the result. Yeah. T'es pas inquiet par les résultats. Yeah, you just go, oh, okay, I make this choice. What will that create? Curious. Tu dis juste, super, j'ai fait ça, j'ai créé ça. So everything that does not allow that more in creation and business, will you destroy and uncreate it? Donc tout ce qui ne permet pas plus ça dans le business, est-ce que vous voulez bien être décréé? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Yes, and I love this play together also in creation, and this fun to don't be perfect and internet cuts, and we are here each other and we create enjoy. Donc j'adore ce fait où en fait internet se coupe et en fait on est le relais les unes pour les autres et on crée avec joie. How does it get any better than that? Et comment ça devient encore mieux que ça? Yes, how does it get any better in this, really? Yes, yeah. Comment ça devient encore mieux que ça? C'est génial. Cool. Yes, and it's amazing. And we have this creation all together also, so in Marseille. Donc on a cette création toutes les trois avec d'autres personnes aussi en traduction à Marseille. Alors, je vous rassure, la traduction sera faite par Alexandra Perrol et Danaé Devanlet et pas par moi-même. So be great about this. The translation will be realized by Alexandra Perrol and Danae. So what we're like this life form of pragmatic psychology is something that's being created around the world. Donc ce mode de vie de psychologie de pragmatique, c'est quelque chose qui est à créer autour du monde. And it started with you know, like
I'm, besides being an access facilitator, I'm also a psychologist. Avant d'être facilitatrice d'accès, c'était psychologue. And I started to play with the access tools in psychiatry when I worked there as a therapist. Elle a commencé à jouer avec les outils d'accès quand elle était en psychiatrie. And I was, you know, looking at people who had so many different diagnoses, where people said, oh, this person is, it's hopeless, they have so much stuff going on. Et elle a vu vraiment des diagnostics, j'ai pas compris les derniers mots, Marie-Sandrine. Des diagnostics où on disait, oulala, avec ces gens, il y a trop de choses qui se passent. And so I started to ask questions, what is really going on with this person with this and that diagnosis? Elle a commencé vraiment à poser des questions, qu'est-ce qui peut être possible quoi, avec ces personnes, avec ces diagnostics? And then I started to use the access tools. Et elle a commencé à utiliser les outils d'accès. When I did psychotherapy. Pour, dans cette thérapie. And a whole new world showed up and was created. Et un vrai nouveau monde est apparu alors. Like the level of capacities that showed up where there should be incapacities was incroyable. Incredible. Les capacités en... Je ne me souviens plus du début de la phrase, mais les capacités ont commencé à surgir, à se révéler, et c'était vraiment incroyable. And so then with conversations with Gary Douglas, the founder of Access Consciousness. Et quand elle a eu une conversation avec Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness. Pragmatic psychology was created. Psychologie pragmatique a été créée. And most of you know the book. Et la plupart d'entre vous connaissent le livre. And from that and well, beyond that, you know, all these worldwide classes started to show up. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de classes qui ont apparu, qui sont créées. And right now, it's mostly, you know, that practitioners of any kind. Et pour les praticiens de différentes sortes. Like really, you know, teachers, for example. Enseignants, par exemple. Or therapists, coaches, facilitators. Thérapeutes, coachs, facilitateurs. Even hairdressers. Même les coiffeurs. You know, je dis parce que je savais pas comment le traduire. Anybody who works with clients, toutes les personnes qui travaillent avec des clients, who wants to know how can I uniquely use the tools of access with my clients, et utiliser vraiment les être unique et utiliser les outils d'access avec ses clients. They now come to these classes, to these pragmatic psychology classes. Ils viennent à ces classes de psychologie pragmatique. Because there's so many points of view out there, what people have decided that they cannot handle. Donc c'est aussi de voir avec ces personnes, qu'est-ce qu'ils pensent ne pas pouvoir manager en fait. And if you have decided what you cannot handle, that's where you uninvite money and you uninvite clients. Si tu as déjà décidé ce qui n'allait pas apparaître pour toi, tu désinvites l'argent et les clients. So this is where you get to find out what you know about facilitating change. C'est à partir de... C'est à partir de ça que tu apprends à faciliter pour comment tu peux créer le changement au-delà de ça. And it's also where we practice on each other. Et quand on pratique entre nous. And it's also about business and how do I charge, how do I set up and create my business. Et
s'est posé la question comment je vais, quel prix je vais mettre à mes classes et que, comment je vais créer mes classes, c'est mon business. And it's a very practical and hands-on class. Et c'est vraiment très pratique de créer une classe. Yeah, and then in March, this 3-day class will be available in many different countries worldwide. Et c'est cette classe de 3 jours est vraiment a déjà été faite dans différents pays. For example, in Marseille, France. Par exemple, à Marseille, en France. And in Marseille, we have a very special addition, a 1-day pragmatic psychology class. Et à Marseille, on a en plus une journée de plus. That's a class where there's no prereqs. La première journée, donc la première classe, il n'y a aucun prérequis. And it's a class where how can I use my craziness? It's c'est how can I use my craziness, my insanity to make my life work? Alors, c'est fait, j'ai pas entendu le début, mais c'est comment je peux utiliser ma folie pour créer ma vie. Yes. Wow. Yes, I just shared the link of this first class on the chat, so available in Marseille and online. Donc Marie-Sandrine est en train de partager le lien de toutes ces classes qui sont accessibles en présentiel et en ligne. Donc nous avons une première journée le 13 février 2020. The first day, the 13 February. 2020, of course. And all of these classes will be also available online. Yeah. Voilà, et toutes ces classes sont aussi accessibles donc en ligne. Et les trois jours, donc du 14, 15 et 16 février pour les 3 jours de psychologie pragmatique. So 3 days for the psychologic pragmatic class advanced from the 14 to the 16 February 2020. And so to just summarize this. Pour saupoudrer le tout. So what if your insanity, everything you've decided is insane about you? Quelle insanité vous avez décidé is exactly à propos de vous. C'est exactement the sanity that the world requires of you. C'est exactement en fait the insanity or sanity? Sanity. Sanity. Ah. Donc c'est exactement en fait la pureté que le monde requiert de vous. Because everything you've decided is crazy about you. Is the resource, the possibilities you bring to our world. Donc c'est tout ce que vous avez décidé d'être totalement fou à propos de vous, qui est ce qui va apporter quelque chose de plus dans le monde. So let's celebrate and create the world that works for us. Alors célébrons et go pour créer le monde qui fonctionne pour nous. Thank you so much, beautiful ladies, Marie-Sandrine, Sophie. Thank you so much. Thank you so much. We are so happy to create with you and welcome people in Marseille and online. Donc, on est tellement content de créer avec toi et d'accueillir les personnes à Marseille et en ligne. Thank you to coming in France. Merci de venir en France. And I gotta say, like a little boost for the castle, because this class will also be here in Italy at the castle. Yeah. Elle nous fait le cadeau de nous faire voir. Un petit morceau de ce château qui est si beau en Italie. Et il va aussi y avoir des classes psychologiques pragmatiques au château en Italie. Wow. Yay. Thank you, beautiful lady. Thank you so much. See you soon. Merci à vous tous et merci de votre tolérance. À bientôt. Merci.